cocina linterna. Sin llevar una en la tienda. Tú solo que es lo moderno. Tu vida es como un cuaderno. Nosotros los caos. Faut toujours débarquer avec de l'ambiance. Il faut. Salut la famille, c'est Crimo. Les gars, j'espère que vous allez extrêmement bien. De mon côté, ça va nickel personnellement. Donc j'espère que vous, ça va bien. Comme d'habitude, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je serai votre secrétaire. Je serai là pour vous aider et pour vous donner des conseils. Peut-être pas les meilleurs, mais ça reste des conseils. Plus sérieusement l'équipe, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une petite vidéo. Les gars, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je pense que vous avez découvert de quoi il s'agit dans cette vidéo. Et c'était quelque chose qui m'intriguait personnellement. J'étais obligé de le tester en vidéo, je suis désolé, j'étais obligé de le tester en vidéo. Ça m'avait l'air ouf, ça m'avait l'air crazy, ça m'avait l'air... What the hell is that, bro? Donc les gars, je parle bien évidemment des Mr. Freeze Skittles. Guys, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est la première fois que je vois cette dinguerie de ma vie. C'est obligé, ça vient de l'Amérique. Donc en fait les gars, on a tout simplement des Skittles sous forme de Mr. Freeze. Alors moi j'appelle ça les Mr. Freeze pour ceux qui connaissaient, parce que c'était une marque de Mr. Freeze. Enfin je sais pas comment ça s'appelle ça à la base. Des bâtonnets de glace, des bâtons glacés, des tubes savoureux glacés. J'en sais rien, appelez ça comme vous voulez. Enfin bref, je marchais tranquillement dans un magasin en mode tac 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 tac. Et puis je me suis dit, oh tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai découvert une boîte de Skittles. Mais c'était pas une boîte de Skittles en mode bonbon Skittles. C'était carrément une boîte de Skittles en mode Mr. Freeze. J'avais tout simplement envie de tester ça, mais de vous faire participer en même temps de la dégustation. Alors j'ai eu ce truc pour la maudite somme des 5,90€ les gars. Donc, oui, j'ai reçu une claque. J'ai reçu une... Oui, j'ai reçu une claque. Mais ça m'avait l'air quand même intéressant et j'avais envie de tester ça. Donc on va découvrir tout de suite comment ça se fait. Est-ce que c'est de la poudre à l'intérieur? Est-ce que c'est déjà des tubes avec le produit à l'intérieur qu'il faut juste congeler? On va voir ça tout de suite. Je me suis fait mal à mon doigt. Ok. Les gars, en fait, c'est déjà des Mr. Freeze et il y a juste à les congeler. Ah, ils sont tous accrochés d'un coup comme ça. Oh! Oh, les gars! C'est magnifique! C'est magnifique. Alors, on a comme saveur le vert, on a du green apple. Donc on a la pomme verte. Alors pour le rouge, on a du strawberry. Il me semble que c'est fraise, un truc comme ça, genre. Le violet, c'est grappe, donc je pense que ça doit être du raisin, un truc comme ça. En haut, encore du strawberry. On a le orange. Orange, j'imagine que c'est saveur orange et pas orange parce que c'est la couleur orange. Après, je sais pas, hein, ça se trouve, c'est juste parce que c'est orange. Enfin bref. 4 goûts les gars, on a 4 goûts, franchement j'ai hâte de tester ça et de vous dire ce que j'en pense. Je mange des glaces en période d'hiver, je suis peut-être l'un des rares humains à faire ça. Dites-moi si vous, vous êtes du genre manger des glaces en hiver, manger de la raclette en été, il n'y a pas de saison, t'en as envie, il n'y a pas de saison, je m'en fous, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de saison mec. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux manger du couscous en Sibérie, tu peux manger des sushis en Afrique, tu fais ce que tu veux. Oh. Ouais, c'est moi qui en a décidé ainsi. Donc les gars, voilà, on va tout simplement les mettre au frigérateur. Je pense pas qu'ils ont dit combien de temps fallait les laisser. Bon, à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de temps, à mon avis. Peut-être une ou deux heures, ça fera l'affaire. On va les laisser poser une ou deux heures et on va savourer chacun de ses goûts. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller les congeler. Je reviens dans deux heures. A de suite. Les gars, je vous avais dit qu'il fallait mettre l'ambiance avant de venir. Qu'est-ce qu'il y a? Ok les gars, on se retrouve avec la boîte de Skittles. On se retrouve un petit peu plus tard que prévu. Donc là, j'ai allumé les lumières. Ce matin, j'avais les lumières du jour. Donc c'est pour ça que le teint est un petit peu différent. J'ai une info inutile, mais c'est pas grave. Alors les gars, ils sont juste ici. On a réussi. Allez, go. Ouais, j'ai rien demandé, frère, encore. Qu'est-ce qu'il y a? Je présentais juste le produit, quoi. Ok, les gars, donc finalement, c'est déjà facile à dissocier. Je pensais qu'il fallait un ciseau pour les dissocier. Donc là, on a tous ces saveurs. Donc, je rappelle, le violet, c'est raisin, grappe de raisin. Strawberry, donc je pense que c'est fraise ou un délire du genre. Green apple, le vert. Et ouais, et du coup, orange. Tout simplement, vu que c'est décollé, je pense que c'est le destin. On va tester celui-là en premier. Ok, les gars, c'est parti. On va savourer ça tout de suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà goûté, parce que franchement j'ai été quand même étonné quand je suis tombé sur ce truc. Hein. Les gars, on va voir si ça a vraiment le goût des Skittles.
La vérité, je sais pas. Franchement, les gars, je sais pas si vous voyez, mais sous une autre forme. En fait, sous une autre forme que Skittles, on dirait déjà que c'est beaucoup moins sucré qu'en bonbon. Il y a un goût spécial en fait dans les bonbons Skittles. Je sais pas si c'est les arômes ou je sais pas c'est quoi qu'ils mettent dedans. Mais j'arrive pas à ressentir ça. Par contre, les gars, c'est super bon. C'est super bon. Oh, c'est incroyable, les gars. Matez la texture. Je sais pas si on va bien voir là sans lumière. Focus, non mais focus pas ma tronche frérot. Mais focus le Mr Freeze, la con de tes fesses. Voilà les gars, vous voyez un petit peu le Mr Freeze comment il est. Franchement, c'est incredible. Là tu peux me refocus. Voilà, tu connais. Non, je suis désolé, je parle à la caméra. La vérité, on m'aurait pas dit que c'est Skittles, j'aurais même pas cramé. Parce que la vérité, ça a le goût d'un Mr Freeze normal. En tout cas, incroyable. L'orange, je valide. Je valide fois. Je passe directement au prochain. Le vert. J'ai envie de déguster le vert parce que le vert, quand même, il a l'air ouf. Let's go. Ma quelle est, lui. Oh. Les gars, par contre, comparé à l'orange, alors celui-là, il sent vraiment la pomme. Ah, il sent fort la pomme, celui-là. Je ressens un peu plus la saveur des Skittles, les gars. Donc, c'est écrit juste là. Petit focus. Voilà, je sais pas si vous voyez, Green Apple. Alors, celui-là, il est incroyable, vraiment. Celui-là, il est incroyable. Il a, et on sent en fait que, de base, c'est une saveur de bonbon, mais que là, ils l'ont transformé en Mr Freeze. Franchement, celui-là, lourd. Incroyable, incroyable. La pomme, c'est un des fruits que je préfère, mais en plus en saveur bonbon comme ça, incroyable. Je valide tout autant que l'orange. Je le mets même au-dessus de l'orange. Incroyable. Il fait là, ça fait froid là. Là, je sens que tout c'est frais, c'est très très froid vraiment. On va tester le raisin, le grab de raisin. Ma quelle est, elle est. Aucune odeur déjà, tu vois. On dirait même pas du raisin. Aucune odeur. Ok. Si, si. En fait, en arrière goût prononcé, les gars, petit focus. En arrière petit goût prononcé, on sent en fait qu'il s'agit du raisin. On sent vraiment qu'il s'agit d'une grappe de raisin. Franchement, c'est bon. Il est bon. Il est pas très très sucré. Il est très très bon en tout cas. Non. Je valide aussi. Je valide aussi. Je ne peux que valider. Il est incroyable. Incroyable. Non. Plus je le mange, le plus je sens le goût du raisin. Et c'est incroyable. Mais c'est pas le goût du vrai raisin. C'est vraiment le goût du raisin en bonbon quoi. Là je ressens ce qu'il dit par contre. Je valide. Incroyable. Je valide aussi. Incroyable. Les gars, on va passer à la dernière saveur, pardon. Saveur. Incroyable. Fraise. Let's go. Non, cette fois, je dis rien. Ok, les gars, c'est parti. Celui-là, il sent la fraise. Si, si, il sent la fraise. Pareil. Pareil que la saveur raisin. On sent, en fait, qu'il y a une petite saveur de bonbon. Mais, je sais pas, ça me rappelle pas vraiment les Skittles, en fait. Les Skittles en bonbon, ils ont vraiment un truc spécial. Après, en vrai, en glace, c'est chaud de reproduire le même goût. Par contre, il est incroyable. Il est super bon. Incroyable. Le fraise, incroyable. Les gars, on a fait le tour des goûts. Et je vous dis la vérité, je pense que si je devais donner un classement à tout simplement ces 4 saveurs, on va enlever les deux là qui sont juste en trop. Franchement, si je devais donner un classement à ces 4 saveurs, je pense qu'en numéro 1, je mettrais le pomme. Saveur pomme, il est juste incroyable. La pomme, elle est incroyable. On sent bien le goût de la pomme. C'est hyper sucré. Enfin, hyper sucré, j'abuse peut-être quand même. Mais franchement, c'est super bon. En deuxième, je pense que je mettrais soit l'orange ou la fraise. Je pense plutôt
Ouais, l'orange, faudrait que je goûte en fait. En troisième, la fraise, et peut-être en quatrième, le raisin. Parce que le raisin, je n'étais pas trop fan, même si c'est quand même bon. Mais franchement, c'est lourd ce genre de petite dégustation. N'hésitez pas à m'en faire part de ce que vous avez pensé dans les commentaires, si vous avez déjà goûté ce genre de choses. Parce que franchement, c'est la première fois que je tombe dessus, ça m'a un petit peu choqué, on va dire. Enfin, choqué. J'irais pas choqué, mais ça m'a un peu intrigué. Donc les gars, voilà, si jamais vous voulez plus de dégustation, de découvertes dans ce genre de choses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Il y a d'autres vidéos, je pense, dans le même style qui arriveront sur la chaîne. En tout cas, moi, franchement, je suis satisfait. La vérité, je suis satisfait. Je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, je m'attendais vraiment à avoir le vrai goût des Skittles. Mais forcément, je pouvais pas m'attendre à un truc de ouf, parce que reproduire le même goût qu'un bonbon en glace, c'est pas forcément évident. Mais franchement, en tout cas, incroyable. Incroyable. La vérité, je vous les recommande. Encore une fois, je les ai eu pour la maudite somme de 5,90€. 5,90€. Je les ai trouvés dans les boutiques Citadium, pour ceux qui sont aux alentours du Var, ceux qui connaissent Grand Var, tout ça, Citadium, ou même ceux qui ont des Citadium à côté de chez eux, je les ai trouvés dans un Citadium, franchement c'est vraiment intéressant. En tout cas voilà les gars, c'était tout pour cette petite dégustation, j'espère que ça vous aura plu. Un très très grand merci, la chaîne compte jusqu'à aujourd'hui 2000 abonnés les gars, un grand merci à vous, j'espère que ça continuera comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like aussi si elle vous a plu. Nous on va dire ciao pour une prochaine vidéo. J'ai vu aller savourer ça là-bas, c'est... Je crois en fait c'est lui le premier. En tout cas c'est très très bon.